TPMP, Benji, tu veux pas le sortir de cette galère? Géraldine exaspérée par Simon dans le reste du monde dans la quotidienne de TPMP du 31 septembre, Géraldine Maillet a dit ce qu'elle pensait de Simon Castaldi dans la télé-réalité. Et elle fait une demande à Benjamin Castaldi. Tous les détails ici. Une nouvelle quotidienne commence pour et ce mercredi 31 août, Cyril Hanouna est revenu sur la participation de Simon Castaldi dans le reste du monde. Une aventure mouvementée, puisque le jeune homme a trompé Adixia en se rapprochant de Virginie. Mais Adixia lui a pardonné cette infidélité et Simon. Et sur Instagram, il a tenu à lui fait une incroyable déclaration d'amour. Il écrit notamment, « Un simple pardon ne serait pas nécessaire car je suis totalement conscient des erreurs que j'ai pu faire ces derniers temps, et je n'en suis pas fier. J'en ai bien pris pour mon grade aussi et je l'accepte car je suis conscient que je serai toute ma vie la cible la plus facile pour la critique haine. Merci à toi Adixia, mon amour qui m'a jamais lâché, qui a supporté tout ce que j'ai pu te faire endurer. Nous voyons enfin notre ciel s'éclaircir et je sais que le meilleur est à venir. Je t'aime toute ma vie pour la tienne. » Cyril Hanouna a alors demandé aux chroniqueurs si tous les Castaldi étaient des charros. Une question qui a bien fait rire Benjamin Castaldi qui prend un peu la défense de son fils. Il explique qu'il a 22 ans et qu'il a fait une erreur qu'il a très vite regrettée. Aujourd'hui, tout va bien entre Simon et Adixia qu'il désigne comme sa belle-fille. De son côté, Cyril Hanouna est très surpris que Simon ait trompé Adixia qui est très jolie. Il mérite bien mieux. Quant à Géraldine Maillet, elle est exaspérée de voir que Simon Castaldi fait de la télé-réalité. Et elle demande à Benjamin Castaldi de le sortir de cette galère, puisqu'il mérite bien mieux. Mais le chroniqueur lui explique qu'il a fait un choix. Et d'après Benjamin Castaldi, les audiences ne sont pas super bonnes et l'émission ne devrait sûrement pas être renouvelée. Mais si c'est pas dans le reste du monde qu'on retrouvera Simon, ça sera dans une autre émission. On vous rappelle qu'il est au casting des 50 qui débutera très prochainement sur W9.